Well, first off, Laurent, can you talk a little bit about coming back to LAFC after being with Belgium's national team? Was it difficult for you to come back and rejoin this team? How did you kind of step into it? And then to come back and score a goal like that to start off your first game? Déjà, premièrement, c'est pas difficile pour moi de revenir ici. Je pense que voilà, c'est un honneur pour moi de défendre mon pays. Après, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et, comme je le dis, ce qui te tue pas te rend plus fort. J'étais content de revenir ici. Et puis voilà, j'ai aidé au coach. J'étais prêt pour jouer ce match. Et il m'a fait confiance. Et voilà, aujourd'hui on a gagné, c'est bien. It feels it's very easy to come back here and get right into things. You enjoyed this time with the national team. He was a little bit, of course, disappointed that he can stay, but he understands that things like that happen in soccer. And he was happy to come back and get going right away. He told Bob that he was ready to go. Bob trusted him and the staff, and he's here. Now you say ready to go right away, and in the fourth minute you find yourself, you know, somewhere 35 yards away from goal, and you put another great strike on another ball like that, third time this season. Can you, the last time I asked you this, you said that the first one was better than the second one. Why is it that you are finding so much success in those situations this season, and can you tell me where this goal ranks for the three for you on the season? Je me prends pas la tête. Je pense que voilà, il y a des coups francs qui arrivent. Pour l'instant, ça me réussit assez bien. Donc voilà, dès que j'en ai la possibilité, dès que c'est à une bonne distance, je prends le ballon et je tire, je ne me pose pas de questions. Après, ça rentre pas. Peut-être il y a l'attaquant qui peut jouer le deuxième ballon, puis il y a des coups francs où je vais rater tout simplement. Mais même pour l'instant, j'ai de la chance, donc je continue à prendre à chaque fois les coups francs quand ils sont lointains. Et il t'a demandé des trois, c'est quel tu penses le meilleur? Montréal, parce que les deux, peut-être aujourd'hui, mais le premier, le gardien peut faire quelque chose, je pense que c'est une erreur de sa part. Tandis que celui de Montréal, je pense que voilà, il est mieux tiré que les autres. So when he talking about the free kick, he feels that out of the three, the one in Montreal was his best one. But before he takes a free kick, he just makes sure that he's in the right distance. If it's too close, maybe he lets one of the midfielders take it. If it's more behind or in a right distance, he's just used to how he's going to strike that ball and the width of the strike. So he felt confident again to take it and at least get it at goal. It's actually two questions. When it comes to the free kicks, it's one of those nice pressures now that every time a free kick is like 35 yards away, everybody is expecting Simon to score. And then the other part is, it would be easier for you to leave the national team camp before, or it was easier knowing what was happening, that you will be there, and if any injuries come, you will leave at the last day. Il a parlé en premier des coups francs, mais après il a dit si c'était facile pour toi de laisser l'équipe nationale avant la Coupe du Monde. Comme je t'ai dit, à partir du moment où le coach m'a dit que je peux rentrer chez moi. Non, moi j'ai rien à voir avec ça. Non, mais comme j'ai dit, le coach m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Je n'ai pas me morfondre, je ne suis pas quelqu'un qui me morfond sur la situation. Voilà, je continue à avancer. Et le coach a dit voilà, je prends le risque de garder compagnie à Vermaelen. Pour rentrer à la maison. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai tourné la page. Le livre équipe nationale est fermé et je me concentre sur LAFC tout simplement. Après, par rapport au coup franc, je ne sais pas si les gardiens se mettent la pression ou pas, mais moi j'en ai pas en tout cas et je continue à prendre ma chance jusqu'au temps que ça fonctionnera. So talking about the national team, he felt that once the coach, even if it was very close and he was kept until pretty much the end and he was that extra player waiting for what would happen with company, then the coach decided that he would take the risk on company, and he says that he's a person that is able to turn the page very quickly. He's in the right club, he's in the right place, and he just felt that it was easy for him just to turn the page and go on. Regarding the free kick, he says that he doesn't know if the keepers now feel a little bit of pressure when they see the distance. But that's not his problem. He says that the only thing he focuses on
is really to strike the ball in the right way and trying to get it at goal. Take two more here. Simon, being one of the leaders of the team and having, you know, a lot of experience, can you talk a little bit about how the younger guys have been developing from what you've seen since your arrival, like Atuesta, Latif, even Carlos, and of course, Diego Rossi? Depuis que tu es arrivé, qu'est-ce que tu peux dire sur les joueurs, comment ils ont, les joueurs jeunes, comment ils sont développés et si tu as aidé un peu dans le processus? Oui, ce qui est bien, c'est que voilà, ils écoutent les gars d'expérience, ils écoutent le staff aussi. Et puis, c'est des joueurs qui sont professionnels sur le terrain et en dehors aussi. Et ça, c'est important dans le football d'aujourd'hui. Voilà, c'est des jeunes faciles, je veux dire. Tu comprends ce que je dis là-dedans. Et, voilà, on est tous dans la même direction et ils écoutent, sont très professionnels. Et voilà, je pense qu'on a une équipe jeune, mais à la fois, on a de l'expérience dedans aussi. Donc, c'est un bon mixte. He says that he feels that the young players in this team have a very good and professional attitude, not only on the field, but outside the field. That it's young kids and young players that listen a lot, listen to the older players, listen to the staff, and want to learn. And again, he reinforced the fact that it's guys that try to do the right thing, not only in training, but especially also outside the field. So that's important. Laurent, while you were away, how much did you allow yourself to look at what was happening in Los Angeles, what was going on with the team here? And as you arrived back, what did you think of the form? How did you think the team played while you were gone? Bah, c'est sûr que j'ai regardé les matchs de l'équipe. Ça a été difficile à Dallas à cause, je pense, de la chaleur. On n'a pas su gérer nos moments faibles. J'ai trouvé qu'à Saint-Nosé, c'était pas terrible. Mais des matchs où on ne joue pas bien, on se doit des fois de les gagner. C'est ce qu'on a fait. Donc ça, des fois, c'est difficile. Et je suis fier de ce que l'équipe a fait là-bas. Voilà, aujourd'hui, on a bien commencé. C'est une équipe qui joue au football aussi, Columbus. Et je pense qu'on a bien fait. On a bien résisté défensivement. Je pense que c'est notre meilleur match d'équipe défensivement. On ne leur a pas laissé beaucoup d'occasions. On peut être fier de ce qu'on a montré aujourd'hui. On a été efficace, même si on aurait pu leur dire un peu plus le score. Mais je pense qu'on peut être content de nous ce soir. He says that, of course, he watched every game, even in camp, and he followed the team very closely. He was always in contact with the guys. He felt that the game in Dallas, it was tough. You know, some changes in the team, the first big game after guys left for the World Cup. In San Jose, we found a way to win, even if it wasn't a very good game. He felt that, you know, the mentality of the guys to find a way to win was important. And then when he came back here in his first game, he feels that it was probably our best game collectively when it comes to the defensive side, where we give very few chances, where the team, you know, played close to each other. So he just feels that, again, it was easy for him just to come back and get reinserted right away. Laurent, your thoughts on... Sorry. No problem. Your thoughts on Belgium's first two games in the World Cup, and what do you think their chances are in this tournament? The Belgium win the World Cup. That's it. That's it. Quand tu vois les équipes qui sont attendues, et le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne, je pense qu'ils ont du mal. L'Argentine peut-être va pas se qualifier au premier tour. Donc voilà, je l'ai dit, on a une équipe avec de la qualité. On arrive à maturité et je pense que ça se voit. On a fait les deux premiers matchs. OK, c'est, avec tout le respect que j'ai pour le Panama et la Tunisie, c'est peut-être pas des grandes nations non plus, mais on l'a vu, tous les matchs sont compliqués. Je pense que la Belgique a répondu présent. Il y a encore des joueurs qui sont sur le banc, qui normalement sont titulaires, comme Kompany et Vermaelen. Voilà, un gars comme Lukaku qui a été fort critiqué, il répond présent. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis avec l'équipe, même si c'est difficile pour moi d'être loin d'eux, mais on est ensemble. He feels that until now, it's the team that has shown more consistency and answered in the best way. You know, every team like Brazil, Germany, Argentina got in a little bit in a shaky way. And Belgium, it's true that they played maybe two nations that are not as big in the soccer world. But Belgium has still players that are important that are not even starting at the moment. So it is a strong nation, and he feels that he's with them. He's still with the squad, even if he's here. And then he reinforced the fact that Lukaku
was a player that was highly criticized before going to the World Cup, and now he's answering very well to everyone. So that's it. The other part you understood, he said it in English. he speaks better English than you think. Thank you.